There's something so magical shining from our dreams. A monkey s'illumine. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans le monde de Disney World. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog les amis, pour le vlog d'anniversaire, puisque pour mon anniversaire du coup mes parents ils m'ont offert un séjour à Disneyland Paris. C'est parti, let's go, direction Walt Disney Studio. Et oui aussi du coup les amis, maintenant on peut retirer le masque à Disneyland, c'est trop cool. Alors là les amis, on est en direction Walt Disney Studio et il y en a qui courent déjà juste pour faire des mots, mais c'est pas possible. Bienvenue à Walt Disney Studio! Allez les amis, c'est parti, on est en train de courir pour Crush! Cinq minutes d'attente. Désolé, on est avec eux. Mais j'aime de... Moi j'arrive. Avec des gens, avec cette chanson-là, elles sont bonnes. J'arrive. Je suis ma maman, avec... Bonjour. Bonjour. Et c'est parti pour la file d'attente de Crush Caster. On est dans les premiers, bah on est pas premier mais Donc du coup voici la nouvelle file d'attente les amis, puisque maintenant ils ont mis en place Fast Payant pour Crush Caster. Et oui les amis, ça y est, on y est. Imaginez les amis. Il y en a qui disent que la meilleure attraction c'est Winter Turner Mountain, mais non, c'est Crush Coaster. Non, parce que... Tout le monde court pour Crush Coaster. Entering.
conseils pour surfer en toute sécurité. Gardez les mains, les bras, les jambes, les pieds et les nageoires à l'intérieur. Hey, human dudes, it's the Crushman. You're about to have a... It's awesome. Bon, j'ai fait quoi, dans le royaume mystérieux du grand. C'est l'éclat total. Et voilà les amis, on vient de sortir de Crush Coaster et c'était trop bien. Là on se dirige vers le Land Ratatouille pour voir s'il y a de l'attente ou pas. Voilà. Bah c'est normal, ils sont tous à Crush Coaster. Du coup il y a 5 minutes pour nous à Ratatouille les amis. Bienvenue à Paris, la ville lumière. J'espère que vous n'avez pas trop mangé avant de venir, car Rémi s'affaire à vous concocter une de ses spécialités maison dont il est le secret. Et je suis certain que vous reconnaîtrez avec moi que, dans la vie, quand l'appétit va, tout va. Si vous restez à la traîne, ne verrez jamais ce qui vous attend. Et bon vin. Attention, on est en mode leçon pour un créneau spécial Ratmobile, les amis. Attention. Attention, créneau, voilà. Les amis, on va faire Hollywood Tower Hotel. On est dans un hôtel abandonné. À ce qui paraît, non, à ce qui paraît, les amis. Je ne sais plus ce que j'allais dire à cause de mes parents. On est dans un hôtel abandonné, les amis. Mais je sais plus ce que j'allais vous dire juste avant. Je sais plus à cause de mes parents. Oh. Parce que ma mère elle disait, ah, il doit y avoir une nouvelle parade ce soir au studio, mais non, il n'y a pas de nouvelle parade au Walt Disney Studio. Ils n'ont pas fait les 20 ans. Ils ont fait les 30 ans pour Disneyland, mais pas les 20 ans pour Walt Disney Studio.
Ah, donc oui, ça y est les amis, je m'en souviens ce que je voulais vous dire. À ce qui paraît, normalement, il y a 15 minutes d'attente. À ce qui paraît. Bienvenue à Hollywood Tower Hotel. C'est ici qu'on dort ce soir. Bon, non, on va dormir dans Sequoia Lodge. Semblable à celle dont nous venons d'être témoins. L'histoire de ce soir dans la quatrième dimension est quelque peu unique et réclame une introduction d'un autre ordre. Vous aurez sûrement reconnu ce qu'on appelle un ascenseur de service. Il est toujours en état de marche et il vous attend. Nous vous invitons, si vous l'osez, à l'emprunter, car dans l'épisode de ce soir, vous êtes la vedette. Et cet ascenseur conduit directement dans la quatrième dimension. Notre ascenseur nous attend. Oh! On est à Hollywood Tower Hotel, la chaufferie. Ouais, c'est vrai, pour une fois, on n'a pas pris les escaliers. C'est vrai que d'habitude, on prend les escaliers. Ah, c'est bizarre ici. Hein. Toujours l'étoile d'araignée. Hein. On est dans l'ascenseur. Donc là les amis, on est dans la file d'attente de Cars 4 roues. C'est la première fois qu'on attend ici, pour 25 minutes d'attente. Et voilà les amis, c'est parti, direction le Grand Parc. Et oui, maintenant c'est les 30 ans de Disneyland. Donc nous allons découvrir aussi également la nouvelle déco. Et voilà, les 30 ans! Ouais, c'est le magasin des 30 ans de Disneyland de Paris. C'est bon, c'est bon. Salut les amis, on est à Discoveryland! Et le monde est au rendez-vous pour les 30 ans. On revient à Disneyland Paris, vitrine est encore en pointe, les amis. Regardez tout ce monde pour Hyperspace Mountain. Oh là là, c'est un truc de malade. Donc là, actuellement, on fait la file d'attente de Hyperspace Mountain. Et voilà les amis, on vient de sortir de Hyperspace Mountain. Voilà, c'était trop bien, franchement, c'est incroyable. Et moi, j'ai surtout hâte, c'est de retrouver, bien sûr, Rock'n'Roll Roller. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de sensation de Rock'n'Roll également. Mais voilà, franchement, Hyperspace Mountain, ça fait trop du bien. Voilà. Du coup, on se dirige vers une autre attraction. Donc là, les amis, je viens de sortir de Crush Coaster et c'était un truc de dingue. Encore là, je trouvais ça a été encore plus vite que ce matin. C'était un truc de fou. Franchement, elle est trop bien cette attraction.
Bon bah moi, les amis, je suis reparti au Walt Disney Studio profiter tranquillement de mon parc préféré. Bah les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait une balade Walt Disney Studio tout seul. Je pense que j'allais faire un crush coaster tout seul. Alors les amis, moi je suis dans la file d'attente Single Rider. Parce que je suis seul, donc je vois pas l'intérêt de faire la grosse file d'attente. Regardez les amis, le Land Marvel qui est toujours en construction. C'est vraiment dommage que je peux pas faire Rock'n'Roll. Il me manque trop Rock'n'Roll. On est plus que toi. Un monde qui s'illumine. Waouh waouh. Waouh waouh. On est dans la file d'attente des Winter dans la montagne. Et là, pas minute. Voilà les amis, on est sorti de Winter dans Mountain, on se dirige vers une autre attraction. On est dans la nature. Où est mon rhum? Où il est mon rhum? Est-ce que Pirates des Caraïbes est ouvert? Est-ce qu'il y a 5 minutes d'attente? Est-ce que je vais retrouver mon rhum? Bon, bah, Pirates des Caraïbes, ce n'est pas encore ouvert. Du coup, on va à Buzz l'éclair, normalement. Bon, bah, du coup, on est de retour à Discoveryland. Bon, normalement, ici, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. On va voir ça tout de suite. Bon bah du coup on est à Hyper Space Mountain, 5 minutes d'attente. De toute façon, on fait Buzz, lui il Buzz et je crois pas là. Et après on fait la queue directe à Autopia, comme ça au moins on est dans les armées. Ah. Ça c'est bon, mais Autopia on va raconter du tout. Regarde, on arrive Burns. Nous sommes à quelques instants du saut dans l'hyperespace pour rejoindre une galaxie lointaine. Très loin, où se déroule une bataille décisive de Star Wars. Thank you.
Que la force soit avec nous. Ranger de l'espace, ici Starkman, préparez-vous à embarquer immédiat. Disney World va prendre sa vengeance. Cette fois, Disney World va-t-il réussir à battre son père? Je ne pense pas, mais je vais essayer de lutter, voilà. Un visiteur, venu d'ailleurs, oh. Préparez-vous, Starkman. FBI. Mes amis, notre ennemi juré, il est là. Il est là, Buzz Éclair. Et pour ceux qui ne savent pas, moi je suis l'empereur Zurk. Et on doit détruire Buzz Éclair. Prépare-toi, Buzz Éclair. Tu vas perdre. Tu vas perdre, Buzz. Tu vas perdre. Et les amis, aujourd'hui c'est la vengeance de Disney World. Aujourd'hui, il faut que je gagne. Il faut que je gagne, même si j'ai peur après. Ça y est, les amis, on y est. Je vais le défoncer. Je vais le détruire. Allez, je suis motivé. Les amis, je vais perdre. Mais je vais essayer de lutter. C'est parti. J'ai battu les amis. J'ai battu. Je t'ai battu. Et ouais, j'ai gagné. Bouge pas, regarde, après je vais te retourner.
Eh les amis, c'est la première fois que je vous embarque dans Orbitron. Allez, c'est moi qui pilote. Et ma mère, elle pilote. Voilà. En fait, c'est la meilleure place. C'est la meilleure place pour filmer en fait. Quand t'es devant, il n'y a pas moyen. Coucou les amis. Ça va faire vomir le père. Allez. Donc là les amis, on est dans la file d'attente de Pirates des Caraïbes. Donc tout à l'heure on a fait Star Tours et donc ça y est, on a fait toutes les planètes, tous les lions en tout cas. Alors bien sûr, hein, le parcours ce sera toujours jamais le même à Star Tours, mais ça y est, on a enfin fait toutes les planètes. Voilà. Donc là on est dans la file d'attente de Pirates des Caraïbes. Bien clair,
Allez, c'est parti pour 5 minutes. Allez, Phantom Manor pour nous tout seuls. Ah non, mais pas tout seul, les gens. Ah mince. C'est trop beau pour être vrai, mais bon, c'est quand même 5 minutes. Bon, bon, on est bloqué. Pour la première fois. Rien, Bastien. Bastien. Je suis en train de quitter la race. Bastien, on est coincé. On est coincé, les amis. On est coincé. On est coincé. Et voilà. Première expérience pour les 30 ans de Disneyland Paris. On est coincé dans l'ascenseur Phantom Manor. On est en compagnie de Bastien. Et oui, voilà. Voilà. Ça va, je suis pas coincé tout seul. Et ouais, on est coincé. On est coincé dans l'ascenseur de la maison hantée. Bon, là, du coup, les amis, ça y est, on est dans l'attraction. L'ascenseur, elle est descendue comme il fallait. Voilà. Bah, ça a été réparé. Hein. Franchement, les amis, je m'en souviendrai des 30 ans. Hein. Je m'en souviendrai. Et voilà les amis, c'est ainsi que le vlog s'achève. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu ce vlog, n'hésitez pas à liker, à réagir dans les commentaires. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube Disney World. De toute façon les amis, je vous referai sûrement une vidéo pour donner un avis sur les 30 ans de Disneyland de Paris. On aura passé franchement un séjour incroyable. Voilà, on a... Franchement, j'aurais eu une expérience aussi inédite là, avec Phantom Manor.
Mais franchement, voilà, franchement, on aura passé un bon séjour. Et merci aussi à toi, Bastien. Franchement, on aura passé une très bonne soirée, en tout cas, à Disneyland Paris. Voilà. Donc, du coup, n'oubliez pas, les amis, comme d'habitude, l'aventure continue sur ma chaîne YouTube Disney World. À bientôt! Look to the sky, hope is all around, and it's about to ignite. It's looking bright, go on, let it out. The spark you're feeling inside. We're gonna dream a little bigger, laugh a little harder, sing a little louder now. We're gonna dance a little bolder, love a little better. Take my hand, I'll show you how. The future holds. Ça y est, au revoir Walt Disney Studio. Prochaine étape, Rock'n'Roll Roller. Normalement, je croise les doigts.